aujourd'hui à l'école des arts et métiers, ou l'ENSAM, pour faire une interview. Donc, je suis aujourd'hui avec Pauline, je te laisse te présenter. Bonjour, donc moi c'est Pauline Zobré. J'ai fait 2 ans aux arts et métiers de Lille. J'ai ensuite fait une expertise qualité et maintenance des systèmes industriels sur le campus de Paris. Donc, pendant 6 mois, et là je suis actuellement en stage de fin d'études. Je suis responsable de communication de l'Union des élèves. Donc l'Union des élèves, qu'est-ce que c'est l'association nationale qui gère l'ensemble de la vie associative des arts et métiers et des élèves en PGE. Donc, on appelle plutôt les GAZA. Voilà. Moi, je vais en profiter pour me présenter également, étant donné que je viens aussi des arts et métiers, sur le campus d'Aix, après une prépa PT au lycée Vauvenargues. Et je suis aux côtés de Pauline à l'Union des élèves, en tant que responsable communication. Comment as-tu vécu tes années de prépa et comment s'est fait le choix vers les arts et métiers? Alors, les années de prépa, c'est des années très intenses qui apprennent énormément sur la gestion de la pression, du temps. Ça apprend aussi à prendre énormément de recul, ce qui est très, très, enfin, positif dans mon milieu professionnel. J'ai plutôt bien vécu ces années de prépa. J'ai fait 2 années, et ensuite, n'ayant pas eu l'école que je voulais, j'ai fait ensuite une année supplémentaire pour avoir justement les arts et métiers. Donc voilà, une très bonne expérience qui apprend énormément, très riche, très intense, mais un très bon souvenir. Bonjour, je m'appelle Hugo. J'ai été élève avant de rentrer aux arts en PT à Clichy, donc prépa physique techno. Et je suis aujourd'hui à la fin de ma deuxième année au sein de l'école d'ingénieurs des arts et métiers de Metz. L'année prochaine, je serai en double diplôme à l'ESSA, l'école supérieure de soudure et de ses applications, en double diplôme avec les arts et métiers. Sur le campus de Metz, je me suis investi en tant que délégué à la pédagogie. C'est exactement le même concept que le délégué que vous connaissez dans les lycées et autres. Mais ici, on travaille plus avec l'administration pour la constitution des emplois du temps, le retour d'expérience sur les différents modules qui sont proposés au long de notre passage aux arts de métier et l'aide des différents élèves afin de faciliter les démarches administratives. Votre parcours aux arts de métier se passera en 3 temps. La première année, on suivra des cours généralistes en GIE, génie électrique, où on aura des cours d'automatisme, d'électronique de puissance, de gestion de la production, etc. Et un deuxième semestre où on aura des cours dits GIM, génie mécanique, avec des cours bien plus appliqués sur l'industrie, avec des TP de forge, fonderie, soudure et d'autres matériaux. Des cours plus théoriques sur la méthode des éléments finis, la mécanique du solide et la mécanique des matériaux. Ensuite, on a des cours qui sont assez similaires mais plus poussés en deuxième année, dits à un niveau avancé, qui seront pareils sur les éléments GIE, GIM, génie électrique, génie mécanique. En parallèle de ces 2 années, on a aussi des cours de management afin de nous aider à pouvoir nous projeter dans le milieu de l'entreprise et organiser les projets avec un avis qui peut être parfois juridique ou économique, qui complète notre formation. Et enfin, en troisième année, c'est l'heure de se spécialiser. On a donc différentes ouvertures, que ce soit des expertises à l'école, des masters de recherche ou alors des doubles diplômes en France ou à l'étranger. Tout bon ingénieur garde une forte connaissance et ouverture culturelle de l'étranger. C'est pourquoi nous avons différentes langues proposées lors de nos parcours aux arts et métiers. Une langue vivante numéro 1, l'anglais, obligatoire pour tous, et une langue vivante numéro 2, obligatoire pour tous encore, parmi un large panel de choix tels que l'espagnol, l'allemand ou le chinois et encore d'autres. Ce bagage de langue nous permet de faire la mobilité à l'étranger qui est aux arts et métiers de 6 mois. Elle peut se faire sous forme d'un semestre académique avec l'une des nombreuses écoles partenaires des arts et métiers, que ce soit en semestre académique ou double diplôme sur 2 semestres ou plus. En parlant de cette mobilité, on peut aussi la faire sous forme de stage. Nous avons aux arts et métiers 2 stages possibles, un stage ouvrier de 1 mois ou 2 à faire à l'issue de la première année, qui nous permet de comprendre ce qu'il se passe sur le milieu de l'industrie au sein de la chaîne de production. Et un deuxième stage à la fin de notre troisième année, de 6 mois cette fois-ci, qui est stage de fin d'études assistant ingénieur et qui nous permet de marcher d'un pied ferme dans le monde de l'industrie. Si tu es un élève qui aime aller au fond des sujets que tu étudies, que ce soit d'un point de vue théorique ou pratique, si tu as envie d'avoir un recul écologique ou économique sur les sujets dans lesquels tu te projettes à l'avenir, à l'heure
de l'industrie d'aujourd'hui, nous avons aussi un recul très important sur l'informatique et l'intelligence artificielle. Si tous ces sujets-là t'intéressent, je te recommande forcément de rejoindre l'école des arts et métiers, parce que nous avons une école qui, grâce à l'équipe enseignante, nous projette sereinement vers ce monde. Donc maintenant que nous avons vu un peu mieux comment se découper les 3 années aux arts et métiers et quel était le contenu des cours, quelles sont les opportunités professionnelles offertes en sortie des arts et métiers ? En sortie des arts et métiers, on peut accéder à de nombreux emplois tournés vers l'industrie, que ce soit dans tout type d'industrie, que ce soit l'industrie agroalimentaire, l'industrie de l'aéronautique ou aérospatiale, c'est notamment mon cas par exemple pour mon stage, l'industrie des métaux, l'industrie, enfin tout type d'industrie, notre profil est assez recherché dans la plupart des secteurs. Et donc, est-ce un cliché ou une réalité de dire que tous les élèves des arts et métiers partent travailler dans l'industrie ? Alors, c'est en effet un petit peu un cliché parce qu'il n'y a aucune limite à ce diplôme. On a notamment des personnes qui créent leurs entreprises. On a un parcours CREDA qui accompagne les étudiants justement à créer une entreprise. On a aussi des incubateurs arts et métiers qui permettent un accompagnement aussi. Il y a des gens qui partent dans la recherche. On a de nombreux laboratoires de recherche sur les campus et on a aussi de nombreux partenariats avec des laboratoires partenaires justement, d'autres écoles. Donc il n'y a aucune limite justement à ce qu'on peut avoir en sortie d'école. Et concernant le réseau des alumni qui est quand même assez célèbre aux arts et métiers, comment les alumni vous aident, élèves, pour vous intégrer dans votre vie professionnelle et ensuite tout au long de votre carrière ? Alors, on a en effet un réseau d'alumni très riche et très puissant. C'est actuellement l'un des plus grands en Europe, avec 34 000 actifs. On est mis en relation avec les alumni dès notre entrée en école. Ils peuvent nous permettre d'avoir de nombreux avis, de nombreux conseils sur les choix professionnels qu'on va faire et qui nous permettent aussi de mettre un pied déjà dans ce qu'on a envie de faire plus tard. On a par exemple une promotion marraine qui est la promotion qui est 25 ans au-dessus de la nôtre. Et tous les ans, et dans chaque campus, il y a un week-end qui est organisé par cette promotion marraine qui nous permet par exemple de discuter d'avenir professionnel, choix de carrière et de comprendre aussi comment un milieu professionnel fonctionne. Donc, c'est des vraies clés qui nous permettent dès notre sortie d'école de savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire ou tout simplement d'avoir pour nous-mêmes des conseils. Donc c'est un réseau très très puissant et très riche. Merci pour ces informations. En tout cas, ça motive vraiment à s'investir dans la vie d'alumni aux arts et métiers, justement pour ces opportunités et cette encore vie associative qu'on a par la suite. Expert, bah, tu viens de nous présenter la vie associative, j'ai envie de dire, en étant alumni, qui est assez riche pour une école d'ingénieurs. Mais pour le coup, comment se déroule tout d'abord l'accueil des premières années sur le campus ? Alors, en première année, il y a un accueil assez riche sur le campus. En arrivant, c'est une période d'environ 2 mois qui permet à chaque membre d'une promotion de campus qui est d'environ 160 personnes de connaître ses camarades de promotion. Donc il y a une période d'accueil qui est une formation humaine complémentaire. L'objectif, c'est de développer des capacités très recherchées dans le monde de l'industrie, des capacités humaines, des compétences humaines plutôt. Ça passe par des actions en relation avec la ville. Ça peut être un nettoyage d'un quartier, ça peut être des actions solidaires avec par exemple des actions avec le secours populaire, etc. Comme des actions pour un peu plus festives ou des rencontres privilégiées avec, par exemple, pour parler des alumni, avec de nombreuses personnes. Voilà. Et finalement, à l'issue de cette période et de la première année, quelles sont les associations dans lesquelles on peut
s'inscrire et auxquels on peut s'épanouir finalement? Alors, on a les traditionnels clubs de sport, avec de nombreux sports proposés dans chaque campus. Et après, tout ce qui est vie associative dehors du sport s'est développé de façon assez ouverte sur tous les campus. On peut avoir des clubs de musique, des clubs de danse. En fait, on n'a pas de limite. Déjà, tout le monde peut se retrouver dans chacun de ces clubs. Et si quelqu'un a une idée pour développer une asso qui n'existe pas actuellement, c'est largement possible, il n'y a aucune limite à ça. On a l'exemple, par exemple, cette année du développement de Orloza, qui est une association développée par des passionnés dans l'Angers, sur le campus de Lille. Et donc, chaque projet peut vraiment aboutir à des belles réalisations. Et il n'y a aucune limite, donc tout le monde peut vraiment s'y retrouver. Et quand je t'ai présenté, tu nous as dit que tu étais à l'Union des élèves. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus et quelles sont les actions qui sont menées par l'association l'Union des élèves? Alors, l'Union des élèves, c'est en effet l'association qui regroupe et qui chapeaute un petit peu l'organisation de la vie associative au niveau de tous les campus, pour avoir à la fois une harmonie et que chacun développe, garder l'identité de chaque campus, mais d'avoir un petit peu un regard d'ensemble sur la vie associative. C'est aussi l'association qui organise l'ensemble des événements intercampus. Tout au long de l'année, on a des événements qui rassemblent les gazards autour de leurs valeurs et dans un esprit de partage et de découverte des particularités des autres campus. On a par exemple une semaine au ski qui est organisée tous les ans, qui rassemble 1600 personnes dans une station des Alpes. On a aussi un tournoi sportif intercampus qui se passe dans l'un des campus et ça tourne chaque année. On a une croisière qui est organisée souvent sur les côtes de Grèce. Il y a énormément de possibilités de rencontrer les élèves de votre campus et tout ça c'est organisé par l'Union des élèves. L'Union des élèves a aussi un objectif de former ceux qui organisent justement ces événements et ceux qui sont des grands acteurs de la vie associative en campus. Voilà, c'est un rôle d'accompagnement et de gestion et tous ceux qui s'investissent dans ces associations, dans ces événements, dans l'organisation de la vie associative, en ressortent avec des grandes compétences qui sont des soft skills professionnels et qui sont très recherchées actuellement. Voilà, quelque chose de très riche. Ça a l'air très intéressant, en tout cas, tous ces événements dont tu nous as parlé. Si on revient maintenant un peu plus sur les campus, comment se passe le logement, qui est en général compliqué dans les écoles d'ingénieurs? Comment ça se passe aux arts et métiers? Alors, aux arts et métiers, l'avantage, c'est que tous les élèves de première année ont une place réservée en résidence. Donc, là-dessus, c'est vraiment, en sortie de prépa, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment positif. Donc, ne pas devoir chercher un logement, ça, c'est vraiment bien. Et c'est des logements qui sont soit individuels, soit en colocation. Donc, en fonction des campus, il y a toujours une place pour les premières années. Très bonne nouvelle donc pour les futurs élèves qui veulent rejoindre les arts et métiers. Et d'ailleurs, en parlant des campus, on sait souvent que les campus des arts et métiers sont dans des bâtiments historiques, souvent classés. Est-ce que tu as quelques anecdotes à nous raconter sur ces campus? Tout à fait. On a la chance d'avoir pour la plupart des campus, des très très beaux campus, classés souvent au patrimoine. J'ai une petite anecdote. Sur plusieurs campus, il y a déjà eu des tournages de films, notamment sur le campus de Lille. Ça, c'est voilà. Donc, une chance d'évoluer dans un bâtiment. Et j'en profite donc pour faire la transition avec les galas qui sont organisés dans les écoles des arts et métiers, et notamment dans l'abbaye de Cluny, qui accueille l'école des arts et métiers et donc également les deux grands événements festifs, le Grand Gala et le Grand Bastringue, dont va nous parler Isor juste après.
Bonjour, je suis Isor, ancienne élève de MP à Paris. Je suis actuellement en deuxième année aux arts et métiers de Cluny. Je suis aussi responsable de la communication de l'association des élèves. Et l'année prochaine, je vais faire l'expertise de biomécanique à Paris. Aux arts et métiers, les galas sont organisés par les élèves de première et deuxième année. C'est très important pour la formation d'un ingénieur parce que ça nous apprend à travailler en équipe, à faire du management, mais aussi à développer d'autres soft skills comme de la communication, de la recherche de sponsors ou même parfois de la trésorerie. Ce qui est assez intéressant, c'est que tous les campus ont des galas différents. Par exemple, pour ma part, à Cluny, nous, on a organisé le Grand Gala. Il se passe donc dans l'abbaye dans laquelle nous sommes formés, l'abbaye de Cluny. Et chaque année, il accueille plus de 5000 visiteurs. Nous devons tout organiser de nous-mêmes. Donc, comme je vous ai dit, la communication, la trésorerie, on cherche des sponsors, on cherche à améliorer notre Instagram, on cherche à inviter d'autres personnes. Et tout est fait par les élèves de première et deuxième année. Par exemple, les décors sont faits par chaque promotion. Chaque année, une nouvelle salle est faite par les élèves de première année. J'ai aussi choisi les arts et métiers, c'est pour la vie associative et les événements qu'on y organise. On en apprend beaucoup sur l'organisation, le management et beaucoup de compétences qui nous seront utiles pour la vie d'ingénieur. Donc pour finir cette vidéo, est-ce que tu pourrais nous donner quelques petits conseils à donner aux étudiants de prépa qui vont passer leurs oraux et devoir faire leur liste de vœux pour qu'ils choisissent les arts et métiers ? Oui, bien sûr. Alors, si tu cherches à avoir des cours à la fois théoriques pour augmenter tes compétences évidemment, et que tu appliques directement, que tu cherches également à avoir une vie associative qui t'enrichit et qui te permet de développer des compétences humaines, et à la fois que tu veux être accompagné durant toute ta carrière par un réseau d'alumni puissant, et ben les arts et métiers, c'est fait pour toi. Donc, en une phrase, Pauline, peux-tu nous résumer pourquoi venir aux arts et métiers ? Oui, alors si je dois résumer, aux arts et métiers, chaque année qui passe, tu ressors grandi des expériences, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan professionnel, grâce à la vie associative et aux cours qui sont enseignés. Et ça sera un vrai tremplin pour ta carrière professionnelle. Super, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette vidéo. On espère vous retrouver nombreux dès l'an prochain aux arts et métiers. Et bon courage pour les oraux, pour ceux qui vont commencer ou qui sont en train de les passer.